cours d'histoire. On retrouve Christophe Diques. Chers auditeurs, bonjour, merci. Pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue à vous. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation. Si vous voulez soutenir la revue, n'hésitez pas à le faire. Rendez-vous dans votre kiosque préféré ou bien sur le site internet histoire et civilisation.com où vous pouvez vous abonner. Laurent Thaïs, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous, vous êtes historien, euh, spécialiste d'histoire médiévale, spécialiste connu du, du haut Moyen Âge, vous avions reçu pour votre Charles Chauve euh, l'Empire des Francs paru chez Gallimard et vous venez de publier Roi des Francs le Haut Moyen Âge de Clovis à Robert le Pieux dans la collection Bouquin. Nous avons entamé la semaine dernière une nouvelle série de nos cours d'histoire consacrée précisément au roi franc. Nous, nous sommes d'abord penchés sur les mérovingiens en bouleversant quelques idées reçues, euh, évidemment l'obscurité de l'époque. Nous verrons la semaine prochaine l'ambile de Robert le Pieux, mais aujourd'hui nous allons évoquer le bon roi d'Agobert. Comment expliquer, Laurent l'incroyable... Postérité du bon roi Dagobert. Pourquoi lui euh, Pourquoi pas son père Clotaire ou bien euh, son fils euh, Zigbert Il y a une part de non pas de mystère, mais tout ne se déduit pas de façon raisonnable. La, la principale cause de cette notoriété, elle est double. En surface, c'est la chanson du XVIIIe siècle qui a relancé un dagobert, qui était enfoui sous une pile épaisse de, de comment dirais-je, d'érudition. On connaît l'origine de cette chanson? Ah, c'est une chanson qui se chantait dans la, ce qu'on appelle la Braine, c'est-à-dire enfin, semble-t-il, qui était une chanson de chasse, un air de chasse, sur lequel on a mis des paroles, donc c'était un air de corps de chasse, sur lequel au XVIIIe siècle, un esprit facétieux dont nous n'avons pas conservé le nom, a mis des paroles que d'ailleurs, qui ont été prolongées tout au long du XIXe siècle avec des couplets de plus en plus Farfelu, mais le fait que ce soit dans la Braine, la marche aujourd'hui, c'est-à-dire le sud de Châteauroux, euh, est un territoire où la présence, le souvenir de Dagobert est marqué. Il y a le pont de Dagobert, les étangs de Dagobert euh, depuis euh, une durée immémorielle. Donc, ça n'est pas par hasard, malgré tout, que Dagobert a trouvé à se loger là plutôt que dans d'autres territoires. Mais le premier, la pr première vraie raison, c'est qu'il est réputé fondateur de l'abbaye de Saint-Denis et qu'il est le premier roi à s'y faire et comme euh, comment dirais-je l'abbaye de saint-denis est le conservatoire de la légitimité franque française royale et nationale eh bien dagobert en a bénéficié hmm. Alors je voudrais profiter de cet entretien pour faire une petite parenthèse parce que vous êtes intéressé à Dagobert à la suite d'une conversation avec Jacques Le Goff hein, et euh, vous dites aussi que vous avez essayé de mettre en œuvre ce qu'il vous a appris avec deux autres maîtres Georges Duby et euh, Bernard Guenet et dans votre longue introduction et bien vous leur rendez hommage ils ont été essentiels dans ce que vous êtes dans ce que vous êtes aussi devenu je le crois je le crois et je mesure bien ma chance euh presque 50 ans après, euh, de les avoir rencontrés et d'appartenir à une génération qui a été prise en main avec tant de générosité, avec tant de hauteur de vue, avec tant d'affection, je puis dire, en tout cas pour certains d'entre eux, vis-à-vis -vis de jeunes gens comme j'étais et comme nous étions euh, dans, à ma génération. Et ils nous ont fait profiter de père à compagnon, de leur bonne humeur intellectuelle, de leur immense savoir sans aucune jalousie, sans aucune prétention, sans aucune volonté d'éviter, si j'ose dire, la concurrence, qui sont des traits qui se rencontrent parfois, malheureusement, dans l'université, et pas seulement dans l'université. Donc c'est un hommage aussi que je leur rends à ces hommes à qui je dois énormément. Mmh. Je ferme la parenthèse, mais je voulais rendre hommage à Jacques Le Goff, Georges Duby et Bernard Guenet. Je reviens à Dagobert. Son règne ne fut pas très long euh, par rapport, par exemple, à son père Clotaire II qui, lui, a régné mais 45 ans. Oui, mais comme quoi la longueur, comme quoi le quantitatif ne fait pas tout. Euh, Dagobert, rappelons-le, est né peut-être en 604 ou 605. Son père Clotaire II, que vous avez nommé, qui fut un roi en effet de très grande importance... À beaucoup d'égards et dont son fils a bénéficié de l'instruction et de l'héritage, son père lui a détaché une partie de son royaume en 619, l'a agrandi en 622, mais ce n'est qu'en 629 que euh, Dagobert, Dagobert Ier, est devenu roi de plein exercice et c'est-à-dire de tous les royaumes francs. Et il l'a été pendant dix années seulement, mais dix années bien remplies et surtout bien documentées. Et donc, il récupère, si vous voulez, par l'idéologie, par, par le prestige, par la littérature, ce qui lui a manqué peut-être, puisqu'il est mort jeune, 39 ans, euh, ce qui lui a manqué dans l'exercice du règne. C'est l'époque, en effet, où la documentation se construit à partir d'une littérature qui ne cesse de se développer qu'on appelle la géographie, c'est-à-dire la vie des saints. Et Dagobert a eu le bon esprit, la bonne fortune, d'être entouré de personnages qui ont eu, après, après l'avoir servi, une carrière épiscopale, et même une carrière sainte. Saint-Ouen, Saint-Éloi, Saint-Didier, les deux Saint-Didier de Cahors et de Verdun. Saint-Arnoux. Saint Saint-Arnoux, beaucoup d'autres ont été lui ont fait nombre et cortège et ont propulsé sa mémoire beaucoup plus haut que pour son père Clotaire II, qui n'a pas été entouré par des personnages de ce genre. Et donc cet élément, et Saint-Denis lui-même, cet élément est très important pour comprendre comment Dagobert a été sorti de sa condition de roi mérovingien lambda, est propulsé beaucoup plus haut, et aussi certainement par ses vertus propres, car on voit là un roi justicier, un roi avisé, un roi cultivé, qui euh, a saisi, semble-t-il, les enjeux de son siècle, et a su, euh, comment dirais-je, s'y implanter et s'y installer, en recouvrant la mémoire de ses prédécesseurs, et de ses successeurs, puisqu'il y a eu trois Dagobert à la suite, mais que lui, euh, le seul Dagobert qui vaille, si je puis dire, c'est le premier. Mmh. Sur quel territoire règne-t-il Est-ce que ce territoire est nettement identifié euh, au, au pays dont on parlait tout à l'heure, le, le pays des Francs Il faut concevoir, à mon sens, que euh, le règne doit être mesuré en fonction des populations, on règne sur des peuples, on règne sur des populations. Les titulatures de ces rois et ça durera très très longtemps jusqu'à l'époque des Capétiens. On est roi des Aquitains, des Francs, des Neustriens, des Lorrains, des Provençaux, euh, si on peut des Bretons, mais on n'y arrive pas. Euh, euh, voilà. Alors naturellement, il ne faut pas croire que, le, que les limites des territoires, des royaumes ne soient pas connues. En réalité, le limès romain, la, la limite, la limitation, les gens de cette époque la connaissent, ils savent que tel fleuve borne tel territoire. La Meuse, par exemple, et c'est par les francs de l'Est des francs de l'Ouest. Mais c'est par population, c'est par cité épiscopale, c'est par grand monastère que le contrôle royal se fait. Mais pour répondre à votre question, que je ne veux pas éluder, eh bien, Dagobert régnait sur un empire largement aussi grand que celui de Napoléon. Alors, que se passe-t-il euh, pendant ces dix euh, petites années Est-ce que c'est un règne qui, qui compte dans la chronologie euh, mérovingienne Alors, comme toujours, elle compte a posteriori. C'est-à-dire que les successeurs de Dagobert, euh, et surtout les Carolingiens, dans les Carolingiens, dont vous savez qu'ils ont éjecté de la royauté les Mérovingiens, dont Dagobert était l'une des figures de proue. Eh bien, les Carolingiens se sont affiliés très tôt à Dagobert en inventant, en fabriquant, pour la bonne cause, de fausses géné généalogies qui faisaient remonter leur filiation, enfin leur, plutôt leur ascendance, puisqu'eux-mêmes étaient des usurpateurs, ils ont construit des idéologies pour remonter jusqu'à la génération de Dagobert. En disant, nous sommes les successeurs de Dagobert, par Arnaud de Metz, par Pépin de Landen, par Pépin de Heristal, et je vous passe les autres. Mais c'est à, à Dagobert qu'on a fait référence, et cela a continué tout au long de la royauté euh, Louis XI s'adresse, si j'ose dire, à Dagobert en référence à un ancêtre prestigieux. Je suis, dit Louis XI, le descendant, le successeur de, euh, du, du grand roi Dagobert qui a su conjuguer l'excellence des Francs avec l'excellence de l'Église romaine et c'est ce qui donne, au fond, à la royauté franque, puis française, son, son originalité. Et son prestige réputé incomparable. Alors justement, il est éduqué par un saint, saint Arnoux, un autre saint, saint Amand, va baptiser son fils. Est-ce que c'était est un roi pieux Est-ce que euh, on peut oser le comparer euh, à euh, un saint Louis, Louis IX la comparaison -Saint -Louis est Saint-Louis s'est réclamé explicitement euh, de, Saint de Dagobert de aussi, de Dagobert, oui. à cause de Saint-Denis, euh, puisque vous savez qu'il a fait refaire les tombes de Saint-Denis sous son règne et qu'il a mis Dagobert quasiment au centre du nouveau dispositif. Et quand vous irez à Saint-Denis, mais vous y êtes déjà allé, et j'invite les auditeurs à le faire, on voit l'enfeu, c'est-à-dire la grande sculpture euh, de Dagobert. Le tombeau de Dagobert tel que Saint-Louis l'a voulu et tel qu'il subsiste encore aujourd'hui au centre nerveux, devant le gros hôtel de la basilique de Saint-Denis, rénové par l'abbé Suger. Donc euh, cette, cette ascendance de Dagobert a toujours été euh, revendiquée. Alors sa piété, il n'est pas question de ne pas être pieux au 7 e siècle. Mais il est de, il y a des piétés de toutes, de toutes sortes. Ça n'est pas un roi dévot, en tant qu'on puisse se voir, comme a été Saint-Louis ses actions ne sont pas systématiquement placées sous le signe de la, de, de la croix mais en même temps il sait bien et il n'est pas à le savoir il, il incarne bien le fait que en dehors de la fidélité à l'église du christ il n'est aucun destin royal aucun destin de peuple aucun destin tout court individuel ou collectif qui vaille donc sa piété elle est faite de gestes des aumônes qui ruissellent de ses mains mais c'est aussi pour acheter euh, la bonne volonté de l'Église, mais aussi il comprend que plus l'Église franque sera prestigieuse, plus lui-même en bénéficiera. Et ce contrat, ce contrat implicite, a été tenu par pratiquement tous les rois des Francs, mais grâce à Saint-Denis, qui s'est développé en même temps que Dagobert, ou Dagobert en même temps que Saint-Denis, ce culte royal de Saint-Denis lui a évidemment énormément bénéficié. Vous décrivez euh, un homme autoritaire, mais... En même temps, c'est un homme qui sait être souple dans les relations personnelles. Alors, pour tout vous avouer, parce que c'est le moment de le faire, euh, je répète ce que je lis, c'est-à-dire que ce sont les propagandistes de Dagobert. Ils sont pas très nombreux, les agéographes dont je parlais, un ou deux chroniqueurs qui nous font connaître Dagobert, de Dagobert. Nous n'avons aucune lettre. Nous avons quelques procès-verbaux, mais enfin, indirects, de réunion, mais, je veux dire, ce que nous savons sur Dagobert tient en une douzaine de pages. Euh, donc, le contraste est d'autant plus fort, et c'est ce qui m'a intéressé en faisant ce livre, entre la mémoire de Dagobert, qui fait qu'aujourd'hui encore, quand on évoque Dagobert, je dis pas dans le métro, mais enfin, à l'école. On peut avoir un certain écho, et comme vous l'avez très bien dit, ni Gilbert, ni Clauder ni Schubert euh, ne bénéficient de cette aura. Et c'est donc ce qui m'intéressait, c'est ce contraste entre la médiocrité des sources et le, la façon dont la destinée de Dagobert, dont la mémoire s'est emparée de cette destinée, pour la porter très au-delà, beaucoup plus haut, beaucoup plus loin que ce que nous savons. Il a été en réalité, mais nous savons que ça a été un moment important, nous le voyons parce que euh, chez les Byzantins, parce que dans la littérature anglo-saxonne un peu plus tard, chez les Espagnols, le nom de Dagobert a aussi éveillé quelque chose. Mmh. C'est un homme à femme C'est un homme à femme, c'est euh, en quoi on l'a rapproché de, de Salomon, ou aussi de David et Bessabé. Euh Il faut être, quand on est roi, peut-être ailleurs aussi autrement, il faut au 7e siècle être un homme à femme. Dagobert a eu deux épouses légitimes, légitimes, deux épouses successives et des concubines, comme tous les autres rois, ceux qui n'en ont pas fait autant, comme Clovis d'ailleurs, sont des exceptions. Pourquoi Eh bien, parce que voyez, avec cinq ou six femmes, il n'a réussi à avoir que deux fils, et encore l'un des deux a disparu très vite. Autrement dit, pour pouvoir assurer la pérennité du pouvoir, de l'autorité, du rayonnement du roi des Francs. Il faut se mettre à la tâche très tôt. Il a vu sa première femme vers 15 ou 16 ans, de façon à se donner toutes les chances de se perpétuer au-delà de la mort. Alors dire qu'après après ça, il aimait ça, euh, aujourd'hui, l'épaisseur des siècles est trop, est trop large. L'anachronisme serait trop fort en disant que c'est un, un homme à femme. La tradition franque est une tradition virile, et, euh, mais l'Église s'en est servie. Il faut bien le dire, l'Église n'a pas que des qualités. L'Église s'en est servie pour exercer une forme de chantage et pour lui faire payer au fond sa lubricité supposée par des donations, par des, des toutes sortes de rémunérations, afin que sa mémoire au total soit conservée. Et la mémoire de Dagobert a été mise en péril. Et un des plus beaux moments, je pense, de la destinée de Dagobert, c'est quand on voit Saint Martin et, et d'autres saints alors que son âme est emportée dans, dans l'enfer, le, dans, dans, dans être sauvé, saisi par les cheveux, par les grands saints, saint Denis, saint Martin, quelques autres, parce que malgré tout, malgré sa concupiscence, il a bien servi le Christ et on l'a rattrapé in extremis pour l'installer. En, en paradis c'est une c'est une vision qui se trouve précisément sur l'enfeu de la basilique de saint-denis telle qu'elle a été sculptée au xiiie siècle mmh. sont, nous évoquions l'aristocratie euh, la, la semaine dernière quelles sont les relations du roi avec son aristocratie est-ce qu'elle euh, devient un, un élément essentiel du pouvoir L'exercice du pouvoir est ainsi fait qu'il faut des, des relais, il faut des transmetteurs. On ne se déplace qu'à cheval et même avec des chevaux rapides, on fait rarement plus de 60 km par jour. Donc il, il est nécessaire et Dagobert l'a compris de donner de, 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 des délégations à la fois aux évêques qui eux sont résidents permanents dans les cités et à des aristocrates qui contrôlent plus directement, par intermédiaire, hmm. des populations. Alors le roi. Le bon roi, le roi habile, Dagobert l'a été, c'est à la fois de tenir en main cette aristocratie à un certain prix, c'est-à-dire là encore, en lui donnant des commandements, en lui donnant des abbayes, en lui de faisant des donations, mais la tenir, la maintenir à son service, et eux, les aristocrates, ont intérêt à ce que le roi ne soit pas trop faible, faute de quoi il ne serait plus protégé par rapport à des royautés extérieures. Donc le bon moment, c'est celui où les aristocrates, qu'on voit est vraiment émerger euh, au 7e siècle, les aristocrates et la royauté font cause commune et comprennent que leurs intérêts sont, sont convergent. Et ça, sous Dagobert, c'est très sensible. Et sous ses successeurs, ça va se dégrader rapidement. C'est-à-dire que euh, peu à peu, les aristocrates, tant mieux, tant pis, prennent le pas sur la royauté franque et finalement finissent par la dic lui dicter leurs conditions et même finissent par l'absorber parce que le pouvoir réel passe. Des mains de la légitimité mérovingienne dans ceux qui exercent le pouvoir effectivement. C'est ainsi que Pépin le Bref succédera au dernier roi mérovingien. Mmh. Alors nous avons euh, une vision euh, de l'époque mérovingienne qui est euh, une vision biaisée, à savoir que c'est une époque d'anarchie. Mais vous avez montré la semaine dernière que euh, il y avait euh, un des un des rois francs qui faisait battre monnaie et qui euh, souhaitait se mettre euh, au même niveau hein, que l'empereur euh, d'Orient. Qu'en est-il exactement du trésor royal à l'époque? De, de, de d'Agobert. Alors ce trésor est un trésor idéologique et spirituel, mais j'imagine que vous faites allusion au trésor matériel Exactement, que les rois... Ouais. L'économie d'où mon, enfin mon entrée en matière sur l'anarchie. Est-ce qu'il y avait malgré tout une économie d'État Un d'État, certainement pas. Mais une économie euh, royale, euh, vraisemblablement. Je ne parlerai D'économie, je parlerai. L'économie et si je veux dire le trésor, euh, aujourd'hui encore d'ailleurs, sont, de, sont deux choses euh, différentes. Il y a un secrétaire d'État au budget et un secrétaire d'État, un ministre de, de l'économie. Euh, D'une économie, nous pouvons difficilement parler parce que les traces qui nous en restent sont très très euh, lacunaires. Nous voyons qu'il y a des types de propriétés, sans doute beaucoup plus de petites paysanneries libres qu'on a longtemps cru à côté de très grands domaines épiscopaux et euh, monastiques. Mais le trésor, c'est autre chose. Le trésor, c'est tout ce qui brille. Et le trésor est à la fois une métaphore et une réalité. Autrement dit, tout ce que les rois roi peut accaparer de bijoux, de métal précieux, monnayés ou non, de tissus, d'oripeaux de toutes sortes qui viennent d'Orient, qui viennent quelquefois d'Afrique, qui peuvent venir de, du, du, du Proche-Orient envoyés par, euh, par exemple, le calife de Damas puis celui de Bagdad. Tout ce qui brille, tout ce qui a du prix, ils le mettent dans des coffres qu'ils gardent toujours avec eux. Et c'est au fond, je dirais. Je sais pas si la métaphore est très heureuse. C'est une sorte de pile électrique. C'est une sorte de batterie qui recharge la légitimité. Quand on reçoit un grand aristocrate ou un roi concurrent ou une princesse que l'on veut euh, s'attribuer, on ouvre le coffre au trésor et on leur montre, voilà ce que je possède. J'ai tant de livres de, de livres précieux. J'ai tant de lingots. Souvent en très grande quantité. Et lorsqu'il y a des usurpations ou des concurrences, le premier geste, ou le dernier, euh, c'est celui de s'emparer du trésor du concurrent. Par exemple, quand Brunero a été défaite par Clotaire II, eh bien, la première, le geste de Clotaire II a été de s'emparer du trésor du Bruneau pour se l'attribuer, car c'était une transmission de légitimité en même temps qu'une transmission de richesse. Et donc, le trésor royal est au fond une des figures, un des attributs avec plus que la couronne, qui d'ailleurs, il y a beaucoup de couronnes, hein, parce qu'on en a toujours une à portée de main, les couronnes, les sceptres, tout ça fait partie du fourniment royal, ce qu'on appelle les regalia, qui désignent le roi. D'autres ont des trésors, les moines, les grands aristocrates, mais le trésor royal est paré et possède une vertu, une vertu, c'est-à-dire une puissance, euh, qui se mesure en watts, euh, en watts idéologiques, qui distingue le roi des autres, et un roi sans trésor est un roi perdu. Eh mmh. bien merci beaucoup Laurent Taize vous l'aurez compris chers auditeurs, il vous reste à courir chez votre libraire pour acheter le roi des francs le roi des francs pardon le haut Moyen Âge de Clovis à Robert Lepieux euh, de Laurent Thaïs, un ouvrage paru euh, chez euh, Bouquin nous vous rappelons que ce podcast vous est également offert par le magazine Histoire et euh, il est disponible aussi dans tous les kiosques mais aussi sur abonnement, n'hésitez pas à vous rendre sur histoire et civilisation.com. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première émission sur les royaumes combattants de la semaine passée, n'hésitez pas à l'écouter dans nos archives et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la troisième et la dernière partie de nos cours d'histoire consacrée cette fois à l'an mille de Robert le Pieux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.